Je retrouvais mes camarades entre Smolensk et la Bérézina. Ils étaient dans le plus grand besoin. Un hurrah de Cosaques les avait fait s'égarer. C'est d'une heure la franchise. Reste-toi sur les étriers. Tu verras les églises de Varsovie. Je peux plus, mon lieutenant. Jambes gelées jusqu'aux genoux. Nous étions une proie facile pour ces Cosaques, bien qu'ils n'eussent pas d'armes à feu. Mais ils couchaient au chaud. Nous dormions par un froid de moins 20 degrés. L'ami la franchise passa l'arme à gauche. La terre était trop dure. Et nous étions trop faibles pour lui creuser une fosse. Nous parvîmes cependant à hisser son corps dans les branches d'un arbre pour le mettre à l'abri des loups jusqu'au printemps suivant.
Là, je perdis Gervais, Godail. Survivre devenait difficile. J'avais un pied gelé. On ne savait plus ce qui était l'aurore ou le crépuscule. J'avais juste un peu de sang de cheval gelé dans la neige que j'avais glissé dans ma giberne. Tellement esquinté. Хлеба. Брат мой. Хлеба. Помилуй, нет хлеба. Нет хлеба. Помилуй, ради Бога. Хлеба. Хлеба. T'as bonne mine de me demander du pain. Tu peux crever, fumier. Брат мой. Ma peau d'abord! Не могу больше. Fils de garce. Heureusement que tu crèveras avant moi. Les Français! Нет. Нет, казаки. Merci. Si je peux faire quelque chose pour toi.